Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du book haul du mois d'août. Et cette fois-ci, ça va être mes achats Emmaüs du mois. Voilà. Parce que j'en avais pas eu assez le mois dernier, hein, clairement. Et bon, il y a encore des choses. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Mon Emmaüs aura ma peau, je pense. Donc on y va tout de suite pour pas que ça soit beaucoup trop long. Hein, déjà qu'il y aura suffisamment de parties. Alors, tout d'abord, je me suis pris deux petits tomes de jeunesse aux éditions Gulfstream Éditeur. Donc c'est le livre brûlé de Françoise Girard. Donc le tome 1 et le tome 2. Sachant qu'il devait être à 2€ à nos pièces. Bah, voilà, j'ai dû... C'est écrit très gros, ça devrait se lire très vite. Et enfin voilà, pour me changer un petit coup, lire un petit peu du jeunesse, voir ce que ça donne. Donc le cri de l'arbre et le tome 2, c'est dans les eaux noires du lac. Donc à voir, ça m'a l'air assez sombre quand même. On va voir ceci. Voilà, je vais essayer de les ranger dans le sac en allant parce que ils vont pas être rangés dans la bibliothèque tout de suite ceux-là. Ensuite, j'ai trouvé un Patricia Briggs, l'épreuve du loup. Donc, il me semble que c'est la suite de Marqué ou Mar. Non, Masqué. Mais bon, voilà. J'en avais besoin, donc je l'ai pris. Oui, c'est ça. Dans la même série que Masque. Masque, que j'ai là derrière, quelque part. Et donc, voilà, un Patricia Briggs de plus. Hop. Ensuite. J'ai fait une boulette. Est-ce qu'ils sont tous là? Je suis pas sûre, on en retrouvera peut-être un plus tard. Je suis tombée sur plusieurs tomes de la saga L'essor de la lune. Je pensais les avoir pris le mois dernier. Bah, je les ai jamais retrouvés dans ma bibliothèque. Donc à mon avis, c'est que je les ai pas pris. Je me suis dit non, t'en as assez. Et puis là, comme une bourde, bah, j'ai pris les tomes suivants. J'ai pris le tome 3. Donc de Yasmine Galenorn, donc aux éditions Milady, donc Darkling, voilà. J'ai pris le tome 4, Dragon Witch, le tome 5, Night Huntress, et il y avait aussi un des hors-série, c'est le seul où je sais plus trop, mais donc Gravure d'argent, voilà. Mais bon, j'ai laissé le 1 et le 2 du coup. Donc j'espère qu'ils y seront toujours la prochaine fois que j'irai. Malgré qu'il ne faille. Enfin, il faut pas que j'y retourne. Il faut pas que je retourne à Emmaüs. Voilà. Donc. Il me faudra le 1 et le 2 du coup. Ensuite, j'ai trouvé une autre saga. Hein, parce que j'aime les sagas, vous le savez. Aux éditions J'ai lu pour elle, c'est du romantique suspense. Du suspense. Donc de Cindy Girard, j'ai trouvé le tome 1 donc, de la saga Black Ops, Impitoyable. Voilà. Le tome 2, Captive. Le tome 3, Poursuivi. Le tome 4, Complice. Le tome 5, Troublé. Et le tome 6, Imprudente. Je crois que j'ai la saga complète. Je crois. Je remettrai ça à l'écran, je sais plus. J'ai trouvé aux éditions Rouergue Ma fugue chez moi de Colline Perret. Voilà. C'est une maison d'édition qui m'intrigue. Donc, ils sont tout petits, je me suis dit. Parce qu'ils sont quand même à 10,29€. Ça, c'est clair que je ne les mettrai pas. Donc voilà. C'est écrit relativement gros, ça pourrait être lu très rapidement. Donc pourquoi pas me glisser quelque part. Voilà. Pour qu'il soit lu rapidement et pour me faire mon avis. Aux éditions. Comment ça s'appelle déjà? EDB. EDB édition qui n'éditionne plus. J'en ai des mots, désolé.
Donc voilà, une maison d'édition qui n'existe plus. J'ai trouvé de Florana, donc Les Bottes Rouges. J'étais très très contente de tomber dessus. Donc oui, Serette, il ira chez toi quand je l'aurai lu, t'inquiète pas. Donc il est en très très bon état, je suis très très contente de l'avoir. Donc, voilà. Et c'est un petit peu illustré quand même. Il y a des petits tons sur les pages. Donc voilà. Il est très joli. Il apaise sa douleur et le rend vulnérable. Donc, hâte de lire celui-ci. Ensuite, dans les poches, je me suis trouvée Le secret de la manufacture de chaussettes inusables. Donc, aux éditions 10-18 de Annie Barrows. C'est apparemment une suite de la salle de... Comment il s'appelle? C'est encore un titre super long. Ce truc des éplucheurs de patates. Voilà. Je suis pas fan de cette couve-là. L'autre couve qui est disponible est juste trop belle. Je vous la mettrai juste ici. Mais voilà. Contente de l'avoir trouvée quand même. Je crache jamais sur grand-chose, moi, de toute façon. Ensuite, je me suis trouvée... aux éditions MSK, donc Red Queen de Victoria Aveyard. Voilà, c'était dans ma liseuse. Voilà. À défaut de l'avoir en papier, mais là je l'ai trouvé en papier, donc je suis très très contente. Et j'ai trouvé le tome 2, c'est ça? J'espère que je vais dans le bon ordre. Donc Glasswood, je suis pas sûre que ce soit bien le deuxième. Si, tome 2. Ils sont chiants de pas l'écrire sur les côtés ou c'est relou. Donc voilà, le second tome, toujours chez MSK. Et j'ai trouvé le tome 3. Voilà. Donc King Cage. King's Cage. Donc très très contente. Et voilà, le 4 est paru ou va paraître. Je vous mettrai ça à l'écran aussi. Voilà, donc grande nouvelle saga. Très 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 contente. J'ai rangé ça comme une merde. Ouais, on peut le dire. Ça doit rester à côté, tant pis. Ensuite, toujours... Enfin, toujours, non. Au rayon poche, je me suis trouvé un Katharina Vivald aux éditions J'ai lu. Le jour où Anita envoya tout balader. Voilà. Donc celui-ci il doit pas être très 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 vieux je crois, hein, parce que je l'ai encore vu, je l'ai vu il y a pas très très longtemps, ouais 2016. Donc très content de l'avoir trouvé, voilà, ça peut être sympa. Et voilà, j'ai envie de lire un peu plus de poches en ce moment, ça, enfin, je pense pas que je sois la seule à qui ça... Ça arrive, mais ouais, je trouve que c'est un peu plus simple à lire l'été et c'est pratique, on a moins de... On se sent moins mal à les abîmer. Ensuite, je me suis trouvée aux éditions MSK, Fuir la citadelle de Ryan Grodin. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas. Ça peut me changer un petit peu. Ah, il est bizarre celui-là. Ensuite, je me suis trouvée aux éditions BMR, enfin, je me suis trouvée, c'est surtout que le compagnon d'Emmaüs m'a permis d'aller jeter un petit coup d'œil à ses réserves. Voilà, donc il m'a fait passer derrière. Et je l'ai vu, je lui ai dit, celui-là, tu me le donnes. Voilà. S'il pouvait me laisser un petit peu à l'arrière de la boutique, ça serait trop bien. Voilà. Donc j'ai trouvé Above All, donc, de Battista Tarantini, donc le tome 1, embarqué, et j'étais très trop trop contente de le voir, et trop trop contente qu'il m'ait laissé le prendre, donc voilà. J'espère que d'ici les mois à venir, le tome 2 et le tome 3, je crois que c'est une trilogie, apparaîtront sur les étagères, voilà. Parce que c'est une saga qui me fait très 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 envie. Ensuite, je me suis trouvé plusieurs tomes de la saga Fruit Baskets.
pour compléter ceux que j'avais déjà, mais il manque toujours le tome 1, la grosse loose, et il manque, oui, il doit me manquer plus que 2 tomes, donc je sais même plus comment, où est le, ils sont même pas dans l'ordre, c'est le bordel. Non, je ne prépare pas mes vidéos. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Faut que je me dépêche vite, vite, vite quand le petit est à la sieste. Du coup, ben, voilà, ça, ça donne ça. Et là, on a lequel ? Voilà. Alors, on va commencer à partir de là. Donc, le tome 10. Le 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, et 23. Donc oui, il me manque plus que 2. Et j'aurai la sac complète. Donc je suis très contente parce que ça fait pas très très longtemps que je les cherche en fait. Donc ça avance bien. J'ai plus que ouais, ne pas désespérer de trouver le premier tome pour enfin pouvoir la commencer. Hein, voilà. Mais bon, je suis très très contente. Je retourne dans les poches. J'ai trouvé le tome 6 donc, de la saga qui est juste en bas derrière moi. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Mais bon, là c'est Rupture. Femme de l'autre monde. Donc le tome 6, voilà, il n'avait pas dû être mis en rayon. Mais là on a fouillé, on a fouillé, on a fouillé. On a fouillé un petit peu en dessous. Mais voilà, j'ai trouvé le tome 6, donc je suis très contente. Donc là, j'ai jusqu'au tome 9. Et il y a 13 tomes dans la saga, donc il me manque que les derniers. Donc je suis très très contente. Donc c'est de Kelly Armstrong. Voilà, bah c'est écrit dessus, femme de l'autre monde. Pourquoi je n'ouvre pas mes yeux des fois. Mais voilà, très très contente d'avoir pu le trouver, celui-ci. Et ma sœur a pris Oscar Peel, Les deux royaumes de Ellie Anderson aux éditions J'ai lu, mais elle pensait qu'elle ne l'avait pas, mais elle l'avait. Voilà. Donc bah du coup c'est moi qui l'ai récupéré. Il faudrait que je regarde un petit peu. Je vous mettrai à l'écran hein, si c'est un premier, deuxième tome ou je ne sais. Donc, celle-ci, c'est un tome 2, c'est écrit dessus. Donc, il faudrait que je me trouve le tome 1. Voilà. Donc, voilà pour ça. Je vais arrêter cette seconde partie ici et je vous retrouverai très bientôt pour la suite. Parce que, oui, non, ce n'est pas fini. Il y a les livres que ma soeur m'a rapportés. Voilà. Qu'elle a amassé d'ici. Voilà, de la dernière fois où elle était venue, donc c'est-à-dire à Noël, elle était venue à Noël dernier et voilà, elle est venue là pour les vacances, donc il y a eu quelques mois où elle a amassé quelques bouquins pour moi, comme moi j'avais fait pour elle. Échange le bon procédé, et vu que la poste ça coûte trop cher, voilà, de s'envoyer des bouquins, clairement c'est fou. Donc on fait comme ça. Donc on y va. On se dit rendez-vous pour la prochaine fois. Je vous fais plein de bisous. Ouais, je commence à avoir les mains sales du coup. Plein de bisous et je vous dis donc à très vite pour la prochaine partie. Ciao!